Hop à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'acte 7 du build de Toxic Rain. Non, l'acte 8, je veux dire, l'acte 8. Oh là 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 là. Donc là, le début, c'est très simple, hein. Il suffit tout simplement de rusher jusqu'au camp à la ville. Donc c'est les remparts. Alors l'acte 8 est assez long de base, donc on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Une box jaune, on va la faire. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Nous, c'est trois rouges, un vert, 86 de vie. Celui-là, on a combien de vie? 51. On va les prendre parce qu'ils sont pas dégueux. Ah, ils ont trop de force, beaucoup trop de force, 101 de force et moi j'ai 80. Tant pis. Sniff. Pour une fois qu'il y avait un truc de bien qui était tombé. Hop. La ville est là. Pop. N'hésitez pas aussi à vérifier que là vous n'avez pas des trucs intéressants. J'ai bien envie de les garder ceux-là, mais ouais, ils sont beaucoup trop de force. Tant pis. Non, ça j'avais pas identifié. Hop. 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 Bon, désolé, hein, moi j'ai pas les onglets, donc ça rentre, hein. Ça rentre dans les cases. Ça, on s'en fout. Destroy. Le stuff là. Est-ce qu'il y a de la place quelque part? Oui, il est là. Allez hop. On va foutre là. Attends. Ah, ça, il faudra que j'aille la rendre. C'est une quête que j'ai oublié de rendre. Destroy. On va faire un petit tour aux popotes. Hop. Hop. On reviendra. Donc, on va essayer de choper un truc d'intéressant dessus. Là-dessus. Non. Non. On va foutre là et on va foutre celle-ci. Chance. Bleeding, impeccable.
Là, qu'est-ce qu'on a? Mignon, on s'en bat les... Ah, elle est mieux que celle-ci. Celle-là 50, celle-là que 25, donc hop. Soixante-six, non. 26, non. Non. Ah, poisson en use. Immune au poison. Très bien, impeccable. La mana, on va la faire aussi. Hop. Saignement. J'aurais préféré du curse. Freeze, remove freeze. Ouais, allez hop. 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 Ça dégage. Donc on parle à Sine. Je crois que j'ai parlé à tout le monde. Donc du coup, c'est parti. On passe là. Ici, c'est important le poison. S'il y en a pas mal hein, dans cette zone. Hein. Donc, Popo qui minimise poison. C'est ma numéro 2. Okay. Est parti, non, il est parti au nord. C'est fini. Donc bon, bah, tout ça, voilà, pas vraiment l'utilité de ramasser. Hop, hop, hop. Ouh. Le poison il pique, hein. Hop, c'est par là. Première zone faite.
Bah, je vais être mort, je m'en fous. Ça, je m'en fous. On va pas se le faire maintenant. On verra ça quand on fera du mapping si on tombe dessus. Après, si vous l'avez, vous, hein, n'hésitez pas à le faire. Hein, gants très intéressants. Bon, ça va pas coûter très cher, je crois, mais c'est des gants très intéressants. C'est les gants. C'est ça. 28 de force, je sais pas si c'est. Pas si c'est le max ou pas. Là, il faut trouver le boss. Non, c'est pas par là. Le coffre était gris, je vais pas le faire. J'ai pas d'orbe sur moi. Je crois pas. Non, j'en ai pas, donc ça sert à rien. Je vais juste tuer les mobs autour là. Au cas où je meurs. C'est pas au cas où, il y a des grandes chances que je meure. Celui-là, c'est pas. Je suis pas fan de lui, hein. Tu chopes plus de popo, c'est magnifique. Oui, j'ai eu un freeze. Hop, on va cliquer là. Ça, il va se calmer 5 minutes. Voilà, bon, il est mort. Un casque. C'est un casque. Tiens, c'est la première fois que je le vois celui-là. Impeccable. Donc, on parle à Sine. Qu'on va identifier ce magnifique casque. Garde de côté. La sortie, c'est par là. On prend le waypoint. Là, vous avez le choix pour commencer. Soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche. C'est pareil. De toute façon, il faudra les faire. C'est votre choix. Je le ramasse parce que je vais le revendre au PNJ pour avoir 7 Wageler. Donc, ok, ici. Donc, ici, dans cette zone, on doit retrouver un objet pour Clarissa, je crois que c'est ça. Hein. C'est une honque. De toute façon, je peux tuer, j'ai de l'avance. Hein. En level 57 et on est 53. Doit être par là.
Hop, on récupère l'ancre. On récupère le fusil. Et donc du coup, maintenant, faut trouver la meuf. Faut trouver le site de résurrection. Tout à l'heure, je vais trouver l'autre map. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Site de résurrection. Donc on parle à Clarissa. On lui donne l'ancre. Hop. On tue les zombies, on la protège. Voilà, maintenant faut tuer l'autre. Attention, il fait exploser tous les cadavres quand il revient. Donc on va faire un petit coup de Blight Val. Voilà, ça descend tout seul. Kathleen, voilà, on lui parle. Voilà, elle était stupide. On s'en doutait. Décorative, c'est de la merde. Donc du coup, on va chercher l'autre zone. Voilà, on a hop, 54, impeccable, c'est que 57. Citrine amulette, on prend. Hop. On rentre ici. Ici, on doit récupérer. On doit tuer des bonhommes. Normalement, c'est pas loin de la sortie. Alors...
Déjà trouver la sortie. Hop. Orbe de chance, on récupère, on sait jamais si on sent un coffre blanc. Toujours pas mort, eux. Oh, ils vont tomber tout seuls. Hein. Oh, il tombe pas lui. La sortie, voilà, ici. Alors, où c'est qu'ils sont les vilains pas beaux? Est-ce que vous avez comme moi le sentiment que je vais quelque part sans savoir où je vais? Parce que c'est le cas. Oh! Il est costaud ce piaf! Ah bah c'était les essences. Ok. Voilà les méchants à tuer. Voilà, c'est fait. Et normalement, vous avez la sortie d'un côté ou de l'autre. Je vérifie, hein. Ok. Donc c'est via ici. C'est quoi? Too fast in the dark pour 3 KO. C'est ici. Alors là, si mes souvenirs sont bons, rien de spécifique à faire. On va juste prendre le waypoint. Je vérifie sur la map, non, il n'y a rien, donc on trace. Je tue des mobs pour recharger mes popos. Ils sont dead. Donc ici, il faut tuer le boss tout simplement pour récupérer un objet. L'objet solaire. Et après, il faudra aller au temple de la lunaire pour récupérer l'objet lunaire, tout simplement. C'est pas très dur.
Ah, une petite orbe d'altération, ça se prend toujours. Ça vaut de l'argent. Waypoint. Hop. Ayez bien vos résistances quand même, parce que ça pique. Hein. Un petit conseil comme ça, hein, entre amis. Hop. Alors, second niveau. Il y a du monde ici. Ah, bah il y a une strong box, on va la faire. Donc on va être obligé de tuer tout le monde. On va en profiter, on va faire l'essence, hein. Soyons fous. Hop, l'essence c'est fait. Là, il y avait quoi? Pas grand-chose. Hop, on suit les tapis. Boss. N'hésitez pas à tuer les petits trucs, hein, ça fait remonter les popos. Hein. Il faut un petit coup de blight. Paf, il est mort. On tue le reste. On récupère la Sun Orb. Et on est bon. Du coup, rappel, TP. On va en ville. Hop. On parle aux people. Alors, bon, il n'y a pas de place. Donc, on va ici. Hop. C'est l'item, alors ça on vend pas, ça on vend, ça on vend, ça on vend, c'est de la merde. Par contre, ça avant on l'identifie. Hop, on identifie, ça on vend. Ça elle pourra, ça on s'en fout. Ça on vend la bague. 14, 14, 14, il n'y a pas de vie, on vend. Ça on vend. L'amulette, on vend. Ça, mignon, tac speed qui aide, on s'en fout. 33 de vie, tac tac tac. Ça, on va peut-être la garder. Il y a de la vie déjà dessus, c'est intéressant. Ça, on s'en fout. Allez hop, ça fait de la place. Donc, ici, paf, 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 paf. Ok, donc page 3, on fout la carte. Ici, on va mettre ça, on va mettre ça. Deux, essence, essence, essence. Hop, altération, bague, elle est pourrie. Ça va là. Ok, donc on parle, Clarissa. Voilà. Câble, le skill, récupérer les récompenses, la reward, le skill, reward, qu'est-ce qu'on a? Feu, froid, donc froid,
Feu froid, feu froid. Allez, on va prendre la feu froid. Pourvu qu'on a un peu de chance. Oui! Que de la merdasse. Donc, nous avons 3 points. Merde. J'ai fermé ma page de mon arbre. C'est beautiful. Donc, on était là. Normalement, il faut venir chercher la gévoile. Mais la gévoile, je m'en fous un peu pour le moment. Ok, donc attendez, je me suis déjà planté tout à l'heure. On retire ça, c'est hop, c'est ça et ça. Après, si vous manquez de feu, vous pouvez la prendre aussi, hein. Y a pas, au début, ça peut aider, hein. Donc on vient là, et on ira chercher ça ici, et après on montera chercher ça. Voilà, en plus ça permet de faire monter un petit peu les gemmes de force. Rouge. Donc c'est bon. Donc du coup, on se retépait ici pour aller faire l'autre côté. C'est tout bête. C'est tout bête. Donc hop. Hop, hop, hop. La grande promenade. On va chercher la moon orb. Donc ici, là, ça sera la route pour la fin. Ici, il faut trouver le chemin. Donc, on va courir. Quel level? 56 et on est 54. Deux levels, ça va. Hop. Bah. Oula. Attendez, attendez. T'es quand même pas par là. Si, c'est par là que je devais passer? Oh, d'accord. Oh, ta gueule! Si vous êtes en hardcore, je vous conseille d'aller venir récupérer ceux-ci, hein, les évangélistes là. Ceux qui mettent un bouclier. Très 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 pratique si vous avez monté un nécro. Hein. Un invocateur en spectre, franchement. Plus ils font masse dégâts, c'est pas dégueu. Alors, hop. On va courir un petit peu parce que. Wow. Allez, on va se faire up. Hop là. Sais pas si c'est par là. Ah, je me suis trompé. Voilà, on a up. Venir en lui.
Oula. Hop. Si vous avez besoin de la vie en priorité, vous pouvez y aller. Hein, parce que regardez, ça nous donne quoi? C'est de l'attaque speed. Vous pouvez aller chercher la vie en prio. Hein. Pas de souci. Sans techniquement, vous serez deux levels de plus. Donc vous saurez déjà ça. Donc vous pourrez très bien aller chercher la vie. Hein. Alors ici, il faut récupérer un objet. Ah, il a couru pile poil au bon moment, le monsieur là. Oh, he's dead. Oh, pour récupérer. Les ailes qui étaient dans le tombeau, dans le cercueil. Alors ici, si vous voulez, vous pouvez aller faire au Garden. Donc je sais plus par où c'est, on va voir. Hein. Je vais essayer de trouver la sortie si je tombe dessus. Oula, j'ai pas fait gaffe à ma vie. Ça a failli faire des chocs à pic. Là, et ben on va au Garden. Ici, c'est un truc du Panthéon. Un boss du Panthéon. C'est le boss que je déteste. Je le déteste tellement qu'en hardcore, je ne le fais pas. S'il y a 99,99% de chances qu'à chaque fois, je meurs dessus, donc... Sérieux? Il est où? Elle est blanche, je vais pas la faire. Pourquoi il est parti là-haut? Vas-y, capture ta bestiole. Combien il faut en capturer? 5?
Hop. Ce n'est pas ma chaise hein, qui grince, c'est les petits bonhommes électriques là. Hein. Je vous rassure. Va être long celui-là. Salut Enart, va à ton business, nous on va se faire démonter par le boss. Ici. Alors il est très simple, hein, tous les 10% il fait pop des petites boules blanches qui vous suivent. Et donc ces petites boules blanches, si vous les prenez, elles vous dégènent votre vie. Au lieu de régène, vous partez dans la part dans l'autre sens. Les grosses, c'est pas gênant, ça fait ça vous ralentit, mais les petites, vraiment les plus gênants. Voilà, donc le but c'est d'essayer de les mettre tous au même endroit pour que quand elles vous suivent, bah, vous ayez tous. N'hésitez pas à essayer vraiment de les regrouper. Comme ça, vous savez où c'est qu'elles sont, c'est moins emmerdant. Voilà. Après, hop. Le TP, ça aide, hein. Hop. On va se la jouer comme ça. Ah, ouf. Bon, eh ben écoutez, c'est la première fois que je ne meurs pas dessus. C'est magnifique. Donc du coup, portail. Et on repart. Ici. Donc ici, on cherche le chemin pour l'autre zone. Si vous avez du skill, hein, vous pouvez valider vos quêtes, hein, ça vous donne un point de skill d'avoir tué le Gugus là. Hop, la sortie est ici. Voilà, Lunaris. Hop. Voilà, on prend feu. On a le feu au derche. Voilà, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, pas grand-chose, hein.
N'oubliez pas le waypoint ici, important parce que ça vous reviendrez là après. Ben là, c'est comme dans l'autre, hein. On monte. Hein. Hop, la mine. Le caddie. Hop, c'est par là. Donc ici, on suit les tapis, hein, comme pour l'autre. Truc bas level ça, donc ça vaut rien. Ils m'ont fait mal. Ils m'ont fait extrêmement mal. On ouvre la porte. C'est le même chemin que dans l'acte 3, je crois. Oui, ça va être le 3. Donc c'est assez simple, hein. Ça change peut-être un petit peu, mais je suis pas sûr. Bon, à vous de voir, vous me direz. Oups là 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 là. On n'a pas vu que j'allais faillir mourir. Il y a un truc qui est tombé là-bas. En défense, on est bon, hop. Donc, hop, on descend. Ai-je pris le bon côté? Apparemment non. Ah si. Une petite map. Dev en dev, dev. Ah, c'est pas par là. Pas de place, hein, bon. C'est que c'est très mal rangé.
En droite ou gauche? Je le sens bien par là. Ah bah en fait, j'aurais peut-être pas dû bien le sentir, je pense. Je l'ai tellement bien senti que c'est pas par là. Hop. Ça fait mal, ça. Putain, c'est pas par là. C'est laquelle qui me marave la gueule comme ça, là? C'est pas par là. Parce que c'est cette carte. C'est quoi comme carte? Sire of Shard. Aucune idée de ce que c'est. Sérieux, ils ont foutu un là, un truc abyssal, juste avant le boss. Salaud. Ouais, un petit coup de blight. Oh, puis on bouge. Voilà, c'est fini. Easy. Et on le tue, on le défonce là. Ah, bah tiens, une deuxième. Donc, est-ce qu'on aurait quelque chose à récupérer autour d'ici? Hop. Boss. Un sac à PV, alors. He's dead. Allez hop, on prend l'orbe. Portail. On peut valider les quêtes maintenant. Alors, sans l'identifier, c'est pour Havre, on va la vendre. Là, on récupère une jewel.
Ouais, bon, elle n'a aucune qui est bien, on va en prendre une au pif, hein. Seul item. Ça, on vend. Stay out of the shadows. Hop. On range ça. On range ça. Carte. J'en ai pas ici. J'en ai ici. Ça. Hop, sans le garde, sans le garde, ça on va le mettre là. Tout ça, on s'en fout. Hop. Deux points à mettre. Alors normalement, j'ai 15, mais ça me donne de la vie, ça. Fais voir si je retire ça. Je suis toujours bon. Donc ce qu'on va faire, j'étais mauvais en résistance tout à l'heure. Du coup, on va repasser en tabula pour nous mettre le Silien sur l'Herald of Agony. Sauf que j'ai perdu une gemme. J'ai perdu une gemme. Magnifique. Alors, donc là, en bouche, je la remets là. On verra plus tard pour mettre autre chose. Qu'est-ce que j'ai perdu comme. C'est laquelle? C'est l'Herald of Agony. Donc, il me faut ça, ça. Ça. Ok. Est-ce que je l'aurais mis quelque part par là? Non plus. Ok. Bon, bah, let's go. Acte 6, Lily. C'est la main qui me manque. Hop. Hop, c'est celle-ci. Hop. Hop. Voilà. On a perdu un petit peu de PV, mais c'est pas bien gênant. Oh, si, c'est ça. Voilà. On a rendu les quêtes, donc là, on va tuer le boss final de l'acte 8. Ah, faut que je remette mon aura. Ah, j'ai plus beaucoup, du tout beaucoup de mana. Je fais n'importe quoi. Si, c'est en face, celle-là. Voilà. Donc là.
Hop! On va péter les jumelles. Alors c'est laquelle qui va rester là au début? C'est la lune. Voilà Madame Feu. Oh, ça fait rien, ça. Oh là, ça. Ça brûle. Ça va pas? Bon, Madame Feu, is dead. Elle est où la lune? Voilà. Easy. J'en ai mal à l'âme. Hop. Un petit peu de life. Donc du coup, on a récupéré les dieux mineurs. Donc là, on a fini l'acte 8. Donc, ici, à partir d'ici, vous avez le choix, vous. Soit vous continuez l'aventure comme ça en pexant, soit vous montez au level où vous avez besoin pour équiper vos stuff, farmer un peu de tabula, ainsi de suite. Hein, parce que tabula, c'est toujours moins 10 KO. Donc vous pouvez toujours farmer un petit peu ici pour essayer de récupérer un morceau de carte Illuminity. Donc nous on va aller vite fait en ville pour débloquer. Et je vais vous. Après vous pouvez farmer ici. Il y a d'autres zones pour farmer. Vous pouvez continuer un petit peu. Moi je préfère farmer dans la zone de désert. Un peu plus loin.
Voilà. Voilà, pas mal de gemmes à monter, hop! Voilà, nous sommes à la ville, donc la ville de l'acte 9. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour l'acte 9 et 10. En attendant, je vous souhaite bonne aventure et amusez-vous bien. À bientôt.